Bon ben voilà, je refais une petite vidéo parce que la lumière n'était pas bonne. On avait le néon qui éclairait et moi je pensais qu'on en avait besoin, mais apparemment non. Donc voilà, je refais une petite vidéo légère, hein, voilà, pour vous présenter l'alimentation vivante. Donc là je vais passer quelques feuilles d'ortie, j'ai mis un gant parce que les orties ça pique. Voilà, je vais passer quelques feuilles d'ortie du jardin que j'ai cueillies, hein, qui sont plein de nutriments et de nutriments extrêmement intéressants. Il faut les prendre très jeunes par exemple, faut pas les prendre vieilles. Alors on les passe dans cette machine qui est un extracteur de jus, hein, qui nous donne une alimentation vraiment, ça nous extrait totalement le... totalement le vide, vous voyez, heureusement que j'ai des gants parce que sinon vous serez très fin de couper. Donc j'ai des légumes coupés très fin parce que sinon ça abîme la machine. Petit morceau d'ananas, petit morceau de gingembre, très important. Voilà, des citrons, on coupe en... je retire la peau parce que c'est... on pourrait la mettre, mais ça abîme un petit peu la machine donc évite. C'est pas une machine trop perfectionnée, mais ça va, elle est bien quand même. Des petites feuilles de chou. Ça, c'est du chou bio que j'achète chez un petit paysan à côté. On a la chance d'avoir des gens qui font du bio à côté. Donc, moi, je produis presque tout dans mon jardin, mais comment dire, des fois, il manque des choses. Donc, je prends chez le petit agriculteur bio qui est dans le coin. Lui, ça le fait travailler, ce sont des jeunes. Et puis, moi, ça me donne des bons légumes. J'ai pas envie de faire pousser des choux parce que j'ai pas assez de place. Mais voilà, donc je me régale avec ce que je fais ici. Je suis content de toute forme, parce que la pétanque ça s'oxyde. Il faut la faire sur place, sinon ça devient tout noir. Elles sont pas encore très mûres, mais elles ont du bon jus, elles commencent à être correctes. Donc au lieu de les jeter, je les mets dans l'appareil. Oui, comment elles sont belles. Il y a des éléments de très très intéressants au niveau de l'ananas, mais ça c'est Thierry. Vous allez voir mon ami Thierry Katanov, le Citre Régénère. Enfin, c'est vraiment lui le spécialiste de la nourriture vivante et des jus. C'est lui qui m'a initié. Donc voilà, je suis simplement un applicateur. C'était juste pour vous introduire ça parce que c'est très intéressant et que ça apporte vraiment énormément de bienfaits au niveau de la santé, au niveau des maladies. Hein, si vous avez la possibilité de vous offrir un appareil qui coûte quand même assez cher, mais on arrive à en trouver même d'occasion, hein, sur le bon coin. Et comment dire, vous avez une alimentation vivante qui va vous donner des éléments nutritifs vraiment incroyables. Donc c'est ça l'idée, c'est vraiment de mettre des éléments nutritifs très très forts dans le corps. Et quand vous avez du verre comme ça qui sort du jardin, vous imaginez toute la chlorophylle qu'il peut y avoir.